بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc ici une vidéo du frère Zain Khairallah, un frère connu sur internet, qui fait des débats avec beaucoup de personnes, des chrétiens, des athées, des innovateurs, ainsi de suite. Et donc ici, il va nous parler de ce qui a été retrouvé. Vous allez voir, c'est Ajib, suite aux inondations en Libye. Vous savez qu'il y a des inondations en Libye, et vous allez voir, c'est catastrophique. Ça s'est passé après le Maroc, et subhanallah, c'est vraiment, vraiment grave. Bismillah. Subhanallah al-Azim, al-Bala alladhi hadatha fi Madina Darna, walladhi... يعني نحسبهم شهداء بإذن الله تعالى استشهد عدد كبير جدا جدا ويعني يصل أكثر من 10,000 وإلى الآن الأمر لم يتوقف البحث لم يتوقف. Donc voilà, faut savoir que les inondations sont passées en Libye et de surcroît à Derna. Alors vous allez comprendre pourquoi, surtout Derna qui était grandement détruite par les inondations. Et donc beaucoup de martyrs et plus de 10 000 morts, sachant qu'au Maroc il y a plus de 2 000, je pense, je sais pas exactement le chiffre actuellement, mais plus de 2 000 morts, subhanallah. Je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, c'est important pour l'algorithme. Wallah al-musta'an. Lakin subhanallah lafata intibahi anna fi thalath ayat نجت أو آيتين وجدوها في الطرقات يعني يبدو أن هي من مصحف أحد العائلات وكذا أخذها السيل أو الريح الشديد هي لأن المسألة بدأت أول شيء بريح شديد. Donc faut comprendre que l'inondation a commencé par un vent très puissant et ce vent a éparpillé un morceau d'une page de Coran qui appartenait sûrement à une famille, et sur cette page, cette partie d'une page de Coran, vous allez voir, il y a 3 versets dessus. بعدها يعني بدأت السيول ونهار سد درنا وبعد ما نهار سد درنا خلاص يعني المدينة كلها غرقت هي يعني كان اللي مانع المياه هو السد فنهار السد خلاص المدينة غرقت يعني كلها تقريبا. Donc là, ce qui empêchait que la ville soit inondée, c'était un barrage. Mais le barrage, ça y est, c'est détruit. Donc toute la ville a été prise par les inondations. Darna est très connu dans les événements qui sont passés en Libye. Donc, il faut savoir que là-bas, énormément de morts, d'assassinats, de tueries, ainsi de suite, sous différents drapeaux. D'accord. Ça, faut pas l'oublier. D'accord. Ça, on en parlera aussi furtivement. مصحف سقط يعني من إحدى البيوت وكذا انظروا معي الآية هي العجب كله في الآية الآية ماذا فيها طبعا من سورة آل عمران يقول الله عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Donc là ça c'est cette partie page du Coran qui a été retrouvée à Darna, qui était épargnée par les inondations, subhanallah, et qui a été éparpillée par les vents. Et vous allez voir que ces versets sont ajib. Regardez bien ces versets, ils sont vraiment ajib. Donc il y a trois versets. Donc on va lire les versets, on va méditer, et vous allez comprendre, subhanallah, en se basant sur des hadiths, ce qu'il se passe. Dieu dans le Coran dit, Hada bayanul linnasi wa huda. Ceci est un discours pour les gens et une guidée. Wa maw'idhatun lil muttaqin. Une exhortation pour les gens qui craignent. Wa la tahinu. Ne vous affaiblissez pas. Point. Wa la tahzanu. Ne vous attristez point. Wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Si vous êtes les plus forts, si vous êtes croyants, les plus élevés au-dessus des autres. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a toujours surélevé les gens, les croyants. Comme il l'a dit dans le Coran.
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. Si vous êtes touché par un mal, sachez que d'autres sont aussi touchés par un mal. وتلك الأيام نداولها بين الناس. Voici les jours que nous faisons défiler parmi les gens. وليعلم الله الذين آمنوا. Afin qu'Allah عز وجل puisse dévoiler au grand jour les gens qui craignent. ويتخذ منكم شهداء. Et qu'il prenne parmi vous, منكم, des martyrs. Donc ce n'est pas tous qui sont martyrs. والله لا يحب الظالمين. Et Allah عز وجل n'aime pas les injustes. Et la cause de ce qui se passe au Maroc, en Libye, dans tous les pays, parce que les catastrophes, elles sont pas restreintes au Maroc, en Libye. Vous voyez très bien que Dieu dit, voici les jours que nous faisons défiler parmi les gens. Si vous êtes touché par un mal, d'autres peuples sont aussi touchés par un mal. Donc ça touche tout le monde. Chacun a son lot d'épreuves. Et la raison principale, c'est l'injustice. Adhulm. Adhulm, ça fait le dhulm, l'injustice fait trembler les cieux. Le dhulm, Allah Azza wa Jal déteste l'injustice. Il n'y a pas de voile entre Allah Azza wa Jal et, comme vous le savez, l'invocation de l'opprimé. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'injustice, c'est la base. Aujourd'hui, l'acte qui se fait le plus de partout, qui est devenu aujourd'hui la base, qui a remplacé le bien, c'est Adhon, l'injustice. Plus tu haggar, et plus tu es respecté. Et comment comprendre ça, d'accord? Alors qu'il y a des gens au Maroc, il y a des gens pieux, en Libye, il y a des gens pieux, alhamdoulilah, il y a des gens qui connaissent le Coran, des gens qui appliquent la religion, des gens bien. Donc comment expliquer ce qui se passe, d'accord? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla est injuste? Pas du tout. Vous savez très bien que avant la venue de l'imam Mahdi, il y aura, le prophète a annoncé al-balaya wa zalazil, wa zalazil wa balaya, le tremblement de terre et le balaya, c'est les malheurs, les monsiba, al-masaib, et les inondations, les tremblements de terre font partie de ça. De surcroît les inondations, puisque le prophète a cité les tremblements de terre à part, et ensuite al-balaya. Donc avant la venue du Mahdi, il faut s'attendre à des catastrophes. D'accord? Et dans un hadith, il y a donc, le prophète dit qu'il y a une armée qui va être composé de personnes, mauvaises personnes, mais aussi des gens pieux, dedans des croyants, des gens contraints, des sincères, mais la majorité sont des gens mauvais. Et ils vont être pris dans un gouffre, dans Al-Baïda, dans le désert, entre la Mecque et Médine, lorsqu'ils vont vouloir s'attaquer à l'imam Al-Mahdi. Et Aïcha, radiallahu anha, était étonnée à poser le prophète la question au prophète, dire pourquoi nous allons périr, wa finna salihoun, alors parmi nous il y a des gens pieux. Le prophète a dit, hakada ida kathura al-khabuth. C'est ainsi lorsque le mal devient majoritaire. Al-Kuthara, c'est la majorité. Et aujourd'hui, vous savez très bien que le mal est majoritaire dans tous les pays. D'accord? C'est comme ça, c'est l'époque. Et donc, Allah Azza wa Jal, afin qu'il sache, qu'il montre, qu'il dévoile les gens croyants et qu'il prenne parmi eux des martyrs, comme c'est dit dans le verset, Allah Azza wa Jal donc touche les touche par un mal. Vous avez l'épreuve qui est la surélévation, l'ibtila, qui vous élève, surélève dans les degrés, malgré que vous êtes pieux, vous êtes touché, mais vous êtes pieux, c'est pour vous surélever, et vous avez le monsiba, qui est le bala, qui est un mal qui vous touche à cause de vos péchés. Mais il vaut mieux être puni sur terre que dans l'au-delà. Parce que les gens qu'Allah Azza wa Jal, de toute façon, ne veut pas pardonner et va les punir l'Yom Qiyama, cela, il leur arrive rien du tout. Pour ça, souvent, vous voyez que les gens les pires, ben, ils sont épargnés. Mais en fait, tout ça, c'est un décret d'Allah Azza wa Jal. En fait, c'est pas, ils ne sont pas épargnés pour leur bien. C'est juste parce qu'Allah Azza wa Jal leur réserve quelque chose de plus grand, de mauvais, plus grand. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal, ben, éprouve quelqu'un ou un peuple, et ben, il le touche, il le punit sur terre. Donc ça, c'est en quelque part un bien. D'accord? Et on peut faire la liste de tous les pays qui ont été touchés dernièrement, et c'est pas fini. Il va y avoir une mudawala. Donc ça tourne, ça va toucher. Tout le monde sera touché à sa manière. Il y a des pays qui ont déjà été touchés et d'autres qui seront touchés dans le futur selon différents bala. Al-balaya. Et donc, vous comprenez très bien ici que, comme Dieu le dit ici, c'est un bayanun, un discours pour les gens, une guidée, mais aussi une exhortation. Voilà l'exhortation qui est faite par Allah Azza wa Jalla. Donc, Allah Azza wa Jalla dit ne pas s'attrister, ne soyez pas triste de ce qui se passe, ne soyez pas. Il ne faut pas vous affaiblir suite à toutes ces épreuves. Au contraire, sachez que le mal touche tout le monde. Mais si vous êtes croyant, vous êtes gagnant dans tous les cas de figure. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi qu'il faut comprendre
ce qui se passe en ce moment, et c'est pas fini, vu qu'il y a toujours de l'injustice et que les gens, malheureusement, après les tremblements de terre ou les inondations ou toutes les moussibas qui peuvent toucher, ben, les gens reviennent à leur routine, malheureusement. Donc on fait tous des péchés, mais faire attention à ne pas, comme j'ai dit plusieurs reprises, à ne pas faire des péchés qui peuvent susciter la colère d'Allah, Azzawajal, et vous les connaissez, le shirk, l'assassinat, le riba, la sorcellerie, ainsi de suite. C'est les péchés qui sont cités parmi les 7 plus grands péchés. Et faut pas oublier aussi que le prophète a dit qu'il y aura tremblement de terre, il y aura al-balaya, des malheurs, mais après il y aura al-harj. Al-harj, c'est le fait que les gens vont s'entretuer sans raison. Donc ça arrive après. Et ensuite, Inch'Allah Ta'ala, le prophète aura annoncé al-khilafa fi bayt al-Maqdis à Ibn al-Hawala. Donc voilà, ne vous attristez point. En espérant que cette vidéo vous a plu. Des fois, il y a des vérités amères, mais il faut les dire. Et c'est pas moi qui les dis, c'est Allah Azzawajal et le prophète alayhi salat wa salam. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Si quelqu'un jamais partage, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires comme d'habitude. Salam à tous.